Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui, nous allons parler des pénuries. Vous avez peut-être vu circuler l'info. On entend parler, mais pas trop quand même. Voilà, il y aurait des pénuries en France sur certains produits, sur certaines matières premières, ce qui cause des difficultés aux entreprises qui travaillent, hein, voilà. Et ça cause des problèmes à double titre, hein, parce qu'il y a déjà forcément un ralentissement de l'activité avec le protocole sanitaire, les gens en télétravail, les équipes réduites, etc., etc. Donc il y a déjà des choses un peu structurées comme ça. Et puis, ben, il semblerait qu'on manque de matières premières. Certains économistes disent que c'est un petit peu fait exprès par certains pays. Alors, eh bien, écoutez, on va essayer de faire un tirage de tarot. On va essayer de voir si ces pénuries vont perdurer et si on risque d'avoir des pénuries généralisées et assez lourdes en France dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Avant toute chose, comme d'habitude, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à non seulement à vous abonner à la chaîne, mais aussi à un newsletter Intuition Libre. Vous devez avoir, si vous êtes sur YouTube, un petit lien qui apparaît juste au-dessus de la vidéo. Dans tous les cas, vous avez le lien de la newsletter Intuition Libre dans la description. Je vous invite vraiment à vous y inscrire. C'est la seule façon de rester en contact, quoi qu'il arrive, et de ne pas rester dépendant des réseaux sociaux, par exemple. Ça veut dire aussi que vous recevrez donc un mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous serez sûr de rien manquer. Et puis aussi, je partage de temps à autre d'autres informations, dont celle que vous voyez que j'aborde aujourd'hui, voilà, dont on entend parler un peu, mais pas plus que ça. Et pourtant, c'est important. Allez, on y va. Est-ce qu'on va vers des pénuries généralisées? J'ai toujours eu cette crainte, ce petit truc dans la tête. Ça fait depuis le début de cette crise, hein, que nous vivons, que certains pays pourraient essayer de profiter de l'occasion pour nous mettre à genoux. Parce que, comme vous le savez, on fabrique plus énormément de choses en France, mais c'est le cas aussi d'autres pays, hein, l'Europe, qui se sont désindustrialisés. Du coup, on est dépendant, et si du coup on devient économiquement dépendant, et vous, c'est facile, vu la crise qu'on vit, hein, qui est quand même dure, y aura-t-il pas une volonté de nous mettre à genoux? C'est toujours été une question qui me titillé depuis le début de cette crise, et puis ben voilà, vu ce qui est en train de se passer un peu là, ça m'a dit, oh, il y a un truc là. Allez, on y va. Que nous dit le tarot? Bien, allez. Bon, pour l'instant, c'est sous contrôle, on va dire, hein. Il n'y a pas non plus. On va dire que ça sert à 102 parties en fait. Je retourne tout, et puis je vous dis ça. Voilà, je sors le monde ici, donc on nous dit que c'est quand même relativement sous contrôle. Il n'y a pas en tant que tel très très grosse inquiétude, très très grosse crainte à avoir. Comme toujours, hein, dès qu'il y a une difficulté, il y a toujours des gens qui sont dans la surenchère. Il y a aussi des gens qui aimeraient bien que finalement que ça arrive, hein, ça leur profiterait. Donc il y a cet aspect-là qui nous est dit par le monde, et d'ailleurs mais c'est recouvert par le diable. Et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a quand même, je pense, bon, déjà une volonté un petit peu anxiolytique, hein, cette crise est déjà dure, on voit bien que bon, voilà, plus on rage. Il y a la réalité des faits, puis aussi voilà, tout un tas de circonstances, d'entités comme ça qui essayent d'en rajouter une couche. Cette volonté de tenir aussi par la peur. Voilà, du coup, si on pouvait, avec une crise sanitaire, nous rajouter une crise de pénurie, de trucs et de machin, oui, on maintiendrait la peur à outrance pendant très longtemps. Cette volonté existe, hein, en tout cas d'après ce que j'ai au tarot. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et pas de l'affirmation ni de la certitude absolue. Mais voilà, je sors cet diable ici. Donc, on a d'un côté une situation qui n'est pas forcément complètement, enfin n'est pas n'annonce pas de péril, mais de l'autre côté il y a cette volonté de faire cette surenchère, parce qu'il y a des choses qui sont parfaitement explicables, voilà, c'est juste conjoncturel et structurel, et ça va se résordre. Maintenant, on ne peut pas écarter non plus, hein, qu'il n'y ait pas non plus certaines volontés. Si on pouvait, ça correspond d'ailleurs à la crainte que j'avais tout à l'heure, si on pouvait les mettre à genoux, mais il semblerait quand même que ça va pas marcher plus que ça, d'accord? Il semblerait que ça va pas marcher plus que ça, et que à
assez rapidement, on va trouver certains accords, retrouver une certaine harmonie et un certain équilibre. Voilà. Donc je pense que tout ça va pas s'étendre, en tout cas par rapport à ce que j'ai pour l'instant au tarot. Il est clair que au moment où je vous parle, au travers de ce que m'annonce l'arcane de la lune ici, hein, la passe est difficile et il y a sans doute des volontés, hein, de, si on pouvait refoutre une couche, hein, en plus des difficultés qu'on subit et maintenir cette chape de plomb, il y a sans doute des volontés qui... Peut-être même en dehors de l'hexagone, hein, bien possible, hein, qui aimerait bien que ça arrive, mais on voit quand même que les choses sont en main, que tout ça est quand même assez prévu, assez bien géré, et que, bon, je ne veux pas dire que pendant encore quelques jours, quelques semaines, on va pas avoir quelques difficultés qui sont liées aussi au fait que notre économie ne fonctionne pas à son rythme normal et dans des conditions normales, ça on le sait, hein, c'est pas une grande découverte. Mais le pape nous dit, voilà, justement, prudence, prudence, quoi, il y a des explications, ça reste sous contrôle, faut pas rentrer dans cette surenchère et dans certaines volontés comme ça, très négatives, de vouloir toujours semer un peu le chaos. On nous dit que certes, si on a pris quelques mauvais coups, on en prend un peu, on a aussi mesuré aussi dans les circonstances que l'on vit nos lacunes, et que même si on y a laissé un peu le fond de la culotte, vous voyez, que ouais, ça nous a griffé un peu cette dépendance, hein, parfois de certaines matières, on va se remettre en chemin et quand même assez joyeusement, bon, hein, quand même attention, on met les pieds, hein, c'est d'après ce que nous dit notre arcane Loma, mais la roue de fortune nous dit ici, hein, que les choses sont quand même amenées à reprendre un cours normal, enfin en tout cas dans notre intérêt. Hein, d'accord, on voit encore des accords, hein, sous les arcanes du soleil. Donc, pour répondre à cette question, par rapport aux personnes qui s'inquiéteraient du sujet, certes, il y a des difficultés en ce moment, mais il y a aussi cette histoire du porte-conteneur qui est resté coincé. Hein, je vous rappelle que c'est un immense bateau qui contient des millions de marchandises, donc forcément, ça a amené du retard dans plein de choses. Donc il y a des choses qui sont vraiment très, très explicables. Il y a des choses qui sont aussi liées bah, oui, au fait à cette crise sanitaire où on a été obligé de mettre moins de personnes sur certains postes de travail. Il y a des gens qui télétravaillent, donc ça réduit un petit peu la productivité. Il y a aussi des entreprises qui sont à l'arrêt complètement. Donc ça entraîne, oui, certaines difficultés, certaines pénuries. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'il serait bien qu'on puisse reprendre une activité la plus normale et la plus soutenue possible au plus vite. Il y a certains qui s'amusent de ça, qui aimeraient bien que ça se produise, bien sûr, si on pouvait nous mettre à genoux, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce qui se sent, mais ça, c'est pas ce qui va arriver, en tout cas, d'après ce que j'ai au tarot, hein. Je rappelle, nous sommes dans le domaine de la prédiction. Au contraire, on sent qu'on pourrait avoir de nouveaux accords, de nouveaux échanges, de nouvelles perspectives, un retour quand même à l'équilibre, que les choses soient prises en main et passer ce cap difficile de quelques semaines, quelques mois tout au plus. Au contraire, on se remet en marche et on pourrait quand même avoir, donc, comme au travers de ces nouveaux accords, ces nouvelles choses, hein, qu'on voit ici, notamment avec l'amoureux et le soleil, plutôt avoir une idée de reconstruction et de redémarrage et sans doute une volonté d'être un peu plus indépendant à l'avenir, ou même si on est dépendant, c'est avec des accords beaucoup plus équitables et plus équilibrés, hein, notamment voilà, pour revenir à ce que nous disait ici notre arcane, la justice. Donc je ne pense pas qu'on va tomber quand même dans des pénuries extrêmement généralisées. Alors il y a des choses qui s'expliquent aussi, par exemple, on pourrait prendre l'alimentation, hein, les fruits et les légumes, on vient de vivre des périodes de gel intense, donc sans doute qu'il y aura un peu moins de produits français cet été, que ce sera un peu plus cher, voilà, mais on peut l'expliquer, on n'est pas dans quelque chose de cataclysmique, du genre de dire, ça y est, à cause de la crise sanitaire, on ne peut plus manger, vous voyez, non, c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est pas, voilà, faut pas, pour ça je vous disais, il faut faire attention à ça, hein, d'accord, il ne faut pas rentrer dans ce genre de peur et de surenchère, c'est des choses qui ne sont pas liées, c'est complètement indépendant. Puis bah, on s'approvisionnera autrement, voilà, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire quand même assez attention, mais donc je pense pas qu'on va connaître vraiment des grands épisodes de pénurie. Oui, il y a des choses qui sont tendues, qui manquent un peu, on va avoir des trous pendant quelques semaines, quelques mois, mais pour moi, en tout cas par rapport à ce que j'ai au tirage, ça me semble être amené à s'améliorer et à ne pas s'aggraver outre mesure que ce que l'on connaît déjà.
Voilà, prédiction. Eh bien, écoutez, on verra comment ça se réalise dans les semaines et les mois qui viennent. Mais bon, je pense qu'on peut rester assez confiant. Je pense que tous ces paramètres-là ont été pris en considération et sont plutôt entre de bonnes mains. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, surtout si vous vous inquiétez la situation et de cette question. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime en fonction de la plateforme si vous avez apprécié, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça pourrait être utile à d'autres personnes qui se posent la question. Ça permet aussi de faire grandir notre communauté. Et puis moi, ça me motive à vous faire des vidéos, bien entendu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous aussi, surtout à la newsletter, quoi qu'il arrive. Et puis, moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt.